Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro du mois de janvier pour les Verseaux. Verseau, signe ascendant lunaire solaire. On est parti les Verseaux, on va aller voir avec la voix des artisans de lumière quelle est la carte qui peut vous orienter au niveau général pour ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Vous prenez que ce qui vibre en vous, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, le gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Cette notion vraiment d'être guidé par plus haut, d'être guidé peut-être par des défunts, d'être guidé aussi par les ancêtres de la terre, par Gaïa, vous voyez, par vraiment des esprits, si vous y croyez, mais des énergies, vous voyez, des animaux, des... Voilà, sur chaque pas de votre chemin, les Verseaux, on vous guide, n'en doutez pas, d'accord? Ça me parle aussi de méditation pour aller dans le monde d'en bas, cette carte. Vous pouvez aller dans le monde d'en bas, faire des méditations. Alors, je vais rebrasser parce que là, je vois que ça n'a pas été bien brassé vu qu'elle venait juste de tomber avant, c'est de là. Et c'est pas celle-là qu'il vous faut pour vous, je le sais. Pas que je l'ai choisi, mais parce que je le ressens. Donc, si je ressens que c'est pas ces cartes, c'est que c'est pas ces cartes. Cherchez pas, en général, même tout le temps. Ma guidance, elle est sûre. Quand je vous avais dit que c'était pas cette carte. Sanctuaire, intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Voilà. Il y a cette notion de poser un cadre, de poser ses limites, voyez, d'ouvrir quand on veut et de fermer quand on veut. Clairement, les Verseaux, c'est ça. Là, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu vous dans vos baskets, vous voyez. En d'autres decks, j'ai la magie de Coelen Druide, je ne sais pas, de Druis, je ne sais pas comment ça se prononce. Prudence, confidentialité, circonspection. Il y a cette notion de ne pas tout dire encore. Il y a cette notion de garder certaines choses pour soi, de ne pas tout dire, de savoir... Le juste milieu. On dit ce qu'il faut dire, on garde pour nous ce qu'il faut garder, on se protège dans nos énergies, on est aligné, on sait qu'on est guidé pour ce mois de janvier. Donc là, les Verseaux, vous avez quand même la juste mesure pour beaucoup de choses et beaucoup besoin de vous retrouver dans vos énergies un petit peu, vous voyez. Des fois, j'en bégaye tellement je parle vite. Waouh! Le cavalier de coupe, la fidélité, on est fidèle, intègre, fidèle à soi-même. Il y a vraiment cette notion d'avancer avec une fidélité du cœur, de l'âme et d'être fidèle face à vous, par rapport à vous-même. Avec l'as d'épée, on va vous parler d'une nouvelle façon de réfléchir. Ceci, un nouveau départ, un nouveau projet professionnel, ça peut être entrer à quelque chose de nouveau. On va vers un 1 et on n'y va pas n'importe comment. On réfléchit d'une nouvelle façon avec un cavalier de coupe qui va vraiment nous parler d'être aligné avec son âme, d'accord ? Avec l'impératrice, on vous dit que vous êtes ancré, vous êtes dans le pardon, vous reprenez votre autorité aussi. Il y a cette notion de communication, de mer aimante, de fluidité, d'ancrage. Encore une fois, je ressens beaucoup d'ancrage dans votre tirage. Donc, c'est plutôt très positif. J'ai la carte des illusions qui tombe avec le 7 de coupe. Et là, le 7 de coupe va nous parler des illusions, de ne pas savoir quel choix prendre. Et pourtant, on vous dit derrière que vous êtes guidé. D'accord? Donc, on va aller voir avec un autre tarot. Je vais prendre celui-là parce que les autres commencent à être un petit peu fatigués. Voilà. Ça, j'ai fait tous les autres signes astro avec les autres et là, ils commencent à... Je sens qu'au niveau énergétique, chaud chaud. Alors, le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau du cavalier de coupe, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière? Ah, le pendu. Oula, le pendu qui tombe à l'envers. Super. Donc, le pendu à l'envers, ça veut dire que vous vous débloquez. Vous êtes en train de débloquer votre âme et votre cœur et vous êtes en train de suivre vos intuitions et de vous libérer d'une situation où vous étiez bloqué. Vous allez aussi vers un as de coupe. Hein. Donc, vous avez l'as d'épée, l'as de coupe. Ça me parle d'une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet de cœur où vous suivez votre âme, une nouvelle façon de réfléchir en accord avec votre âme. Vous avez la tête et l'âme qui battent à l'unisson et qui vibrent à la même fréquence. Donc là, c'est très chouette. Ça me parle de passion, de nouveaux couples. Vous voyez, waouh, les amoureux, j'ai un choix de cœur pour une impératrice, clairement. Alors, ça peut être un choix de cœur, ça peut être au niveau professionnel. Hein. N'empêche que c'est quand même un choix de cœur. Je pense qu'il y a quand même de l'amour. Il y a quand même des histoires d'amour pour pas mal de Verseaux. Là, ouais, on a le jugement aussi, regardez. Il y a vraiment cette libération. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Il ne se passe pas rien pour vous. J'ai 3 arcanes majeures, 4 là. Sur si peu de cartes, j'ai deux as qui me parlent de nouveau départ. J'ai vraiment les amoureux, le choix de cœur, le jugement divin où on va libérer son âme. Vous voyez, c'est un peu peser son âme. On se débloque, vous vous débloquez. Donc, c'est quand même très, très chouette. Ouais. Il y a quand même une période, le 8 de coupe, où là, vous allez faire une introspection au niveau de votre âme, de votre cœur. Hein. Là, ça va être important de faire cette introspection. Bon, on va aller compléter tout de suite avec l'oracle des miroirs et la triade. Je suis très intriguée par votre tirage. Vraiment, il est assez particulier parce que deux as comme ça, coup sur coup, et surtout l'as d'épée et l'as de coupe, me disent une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau départ. C'est l'as d'air, l'as de coupe, c'est l'as de cœur, c'est l'as d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Où là, on va, ça va être fluide, on va écouter son âme, on va écouter son cœur, et on met l'esprit au service du cœur, de l'âme. Et là, c'est génial. Là, toutes les portes s'offrent à nous. Regardez. Le voyage, vous vous libérez, vous prenez de la hauteur, hein, les Verseaux. Hein. Vous vous libérez, vous prenez de la hauteur parce que vous avancez avec fidélité, avec intégrité. Ouais, il y a cette histoire de faire un enfant. Donc, ça peut être clairement faire un enfant ou aller vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau, une nouvelle route. Y aller un petit peu avec cet enfant intérieur, avec une âme d'enfant. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des grands changements. Il y a des grands changements. Ici, pour vous, les Verseaux, vous décidez d'écouter votre âme, votre cœur, de pardonner peut-être des personnes d'un passé et d'avancer vraiment en étant ancré et aligné, tout en sachant protéger vos énergies, en étant guidé par toutes les personnes qui vous guident. Vous êtes très stable dans ce tirage. On vous dit que vous avez la chance qui est en plus à vos côtés lors du jugement divin. Enfin voilà, en gros, votre âme ira au paradis, quoi, ce qu'on vous dit. La réunion, alors je ne vous dis pas que vous allez mourir, hein, attention, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. La réunion nous parle de se poser à l'intérieur de soi, de se réunir, de passer du temps avec les autres, mais de passer du temps soi, seul face à soi-même aussi. Des fois, vous en avez besoin dans ce tirage, les Verseaux. C'est ce que je ressens. Ouais, Nadir, bon. Nadir, c'est la carte la plus pourrie de cet oracle. Heureusement pour vous, elle tombe à l'envers. Pour le coup, je vais la prendre à l'envers parce que vous avez un très beau tirage de surcroît. Donc, je vois pas qu'est-ce que Nadir foutrait là. Il y a cette notion de stop le noir. Une période de noir est finie. Une période où on était embrumé est complètement finie. Alors, soit vous êtes une femme par rapport à un homme, soit vous êtes un homme, vous êtes enfin fidèle, vous allez vers un nouvel amour. En tout cas, cette notion de polarité masculine, d'enfant, de se recentrer. J'ai encore la justice divine, les trompettes de la justice divine qui tombent. On a cette polarité masculine qui est là, où on vous dit qu'on va vers quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel homme pour certaines femmes, avec une nouvelle relation, une relation amoureuse. On vous dit qu'il va y avoir du changement dans votre vie, que ça va être plus léger, ça va respecter votre âme, votre cœur. Ok, alors ça se pète la margoulette, je vais aller la chercher. Hop. Et ouais, on me parle du désert. Ouais, vous avez la chance par rapport à une situation qui ne donnait rien. Ou ça peut être une situation qui ne donne rien ou qui est vide si vous voulez. Mais quand c'est vide, c'est bien, vous pouvez construire tout ce que vous voulez derrière. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, en pleine la mutation, c'est la transformation. Hein. Vous êtes en pleine transformation. Excusez-moi, je... pas ce que j'ai fait, mais je remets un petit peu les cartes droites. C'est plus simple pour moi. Ok, on va aller prendre des conseils pour vous, les Verseaux, signe ascendant, lunaire, solaire. Quels sont les conseils pour ce mois de janvier? Tiens, la réussite. On vous dit de croire en votre réussite, d'être dans votre réussite, d'être fidèle à votre cœur et de vibrer un petit peu cette réussite aussi, vous voyez. Le 6 de bâton, c'est la réussite, hein, de toute façon. Hein. J'ai quoi d'autre? Le roi d'épée. Montez votre entreprise, mettez-vous à votre compte, ils vous disent. Reprenez votre autorité. Soyez tranchant aussi au niveau de votre façon de réfléchir. C'est un peu repositionner le truc et reprendre son autorité. Le roi d'épée, il est très autoritaire. La reine d'épée. La reine d'épée va nous parler aussi de savoir trancher, de se libérer d'une situation qui ne nous correspond plus, de savoir trancher en regardant loin devant nous. Mais avec beaucoup d'intuition. La reine d'épée est très intuitive, vous voyez. Très très intuitive la reine d'épée, elle sait pourquoi elle tranche et elle coupe, hein. Attention. Hein. Avec le 6 de coupe, on vous conseille d'être dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel déjà de vous-même et vous allez attirer à vous une personne qui vous aime de façon inconditionnelle. Libérez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être et donnez autant que ce que vous recevez. Le 6 de denier, c'est ça. Je donne autant que ce que je reçois. Soyez juste dans votre façon de donner et de recevoir, même en amour, au niveau pro, de partout. Sachez vous préserver, voyez, respectez les barrières de l'autre, vous préservez, mais tout en vous faisant passer en priorité. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Votre âme vous demande de souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ouais, mais pas que. Des fois, vous allez avoir besoin de les garder pour vous, d'accord? Mais pour l'instant, vous avez besoin d'être dans votre vérité, de la dire et de la... Parce que vous allez la matérialiser aussi, comme ça, vous voyez, vous êtes dans une belle transformation. Vous avez un très très beau tirage pour le mois de janvier, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit clic sur l'abonnement, un petit clic sur les likes, un petit clic sur les notifs. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre les sentimentaux qui vont suivre. N'hésitez pas à aller faire un petit don aussi sur la cagnotte pour tous ceux qui me l'ont demandé et tous ceux qui voulaient. Moi, je vous embrasse très fort. Je continue les signes. Et puis, on se retrouve sur les autres signes astro et les tirages du jour. Ciao, ciao!